Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Info 24, c'est Chanel Paola Kantre la Kao dans l'air. Ça, Chanel Information, hein, pas oublier, j'en toujours dit, lui, à côté information, hein, nous pouvons chercher pour nous porter le bas ou la Kao sans qu'il n'y ait pas besoin de faire aucun effort. Nous portons pour tout détail sur la question du dossier corruption qui est dans le pays à côté. Sénateur Yuri là, tu fais qu'on est. C'est pas seulement dans le cadre du premier ministre nommé à Fritz William Michel fait surfacturation, quadri, triple, il parlait de tout bagage ça. Il parlait des poules aussi. Et bien, premier ministre lui-même, il était démenti sénateur Yuri là, tu dis, sénateur Yuri là, tu portes tout détail avec irrégularité qui gagne dans le cadre contrat premier ministre Santessien dans l'année 2017. Bien comparé que lui-même était directeur général, gain ses proches, li soit comptable ou bien madame. Li. Et bien, nous allons vite sur la vidéo pour plus de détails comment vous arrivez à comprendre ce qui a passé en Haïti. Mais pas oublier ce que vous faites ça. Vous capable de faire ça cool, là. Abonnez avec Info 24 là. Songez pour activer cette cloche pour qu'on ait chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Oui, sénateur. Oui, moi je dis que le premier bagage qui t'est intéressé, non, c'est la surfacturation. Le nous gardé, nous gagnons en cabri et qui vend 31 500 gourdes. Eh bien, nous t'ai posé question sur pour qui ça, c'est pris ça que vous mettez. Et nous t'ai signalé dans le document. Non. Mais, matin, on a deux porte-parole premier ministre, ça a dit son cabri de race amélioré, qui coûtait entre 150 et 200 dollars américains. Et même l'on prend tout ça, tout du jour là, on mettait avec comme ça, dans le moment qu'il y a eu des 20 cabri. En 2017. Il n'a pas dépassé. Il n'a pas dépassé 13 000 gouttes. Donc, ça veut dire que les 31 500 gouttes. Donc là encore, moi, j'ai cherché explication sur la question cabri là, parce que moi, je pensais que le prix, ça a vraiment exagéré. Nous devons des bagages et tout sur la question poule. Et 10 000 poules, mais on vend une poule là à 110 dollars. Bon, moi-même, je n'ai pas besoin de pas quatre chemins, puisque je suis dans le domaine de tout. Mais poule blanc, ça y est, en général, on vend 50 dollars. Là, on vend en gros, eh bien, on vend à 40 dollars, puisque là, on vend en gros, ça permet qu'on liquide et beaucoup plus. Donc, là, moi, c'est 110 dollars, moi, je pensais que vous y avez une doublée. L'idée de même pour des matelas. Et pour pénitentiaire national, côté que vous mettez 1600 dollars, alors que c'est des matelas que individuels que, qui pas dépassé 250-300 dollars. Donc, moi, ouais, que prix est anormal et ça doit attirer attention comme investigateur pour moi et question sur facturation. Moi, garder tout question double facturation et question triple facturation. Question double facturation et triple facturation, Yoshita n'a des chèques que l'État paye, accompagne ça, Asian Food, Caribbean Product, Fish Equipment, Express Transport. Pas oublier que le Premier ministre, c'est PDG Caribbean Product, lui, il a un comptable, il est Woody Torchon, qui est signataire dans Asian Food, il y a Madame Lee qui est dans Fish Equipment et il y a un allié dans Express Transport. Donc, compagnie, il est lié. Ça qui peut attirer l'attention, c'est que au premier, disons, au 1er mai et mai 2017, nous avons gagné trois chèques qui sont sortis. Chèque de 31 297 550 gourdes. Chèque ça, il est sorti pour Caribbean Product le 5-17-2017. Il est sorti pour Fish Equipment le même montant, 31 297 550 gourdes. Et il est sorti pour Express Transport tout, au même montant. Ça veut dire que, dans qui ça nous y est là, est-ce que son triple facturation ou bien son marché que vous divisez pour essayer d'éviter appel d'offre? Okay. Donc, nous voyons que si son triple facturation, c'est très grave. C'est-à-dire l'État paye trois fois pour un bagage que le besoin une seule fois. Et là, ça a moins été des ministres agriculture a été dit. Pour qui service, ça? Pour Cabrit là? Hein? Pour qui service? Non, service, ça, c'est pour fêter le 1er mai. Ah, ok. Oui, nous avons dit que Cabrit là, c'est dans la facturation. Ok. Cabrit là, c'était trois factures que nous avons mis à Cabrit là. Qu'on y a une triple facturation. L'État a trois chèques à trois compagnies affiliées pour un bagage fait de l'agriculture. Moi-même, je ne viens pas à comprendre. Toutes trois compagnies, ça, pour même propriétaire. Oui.
Et l'État, en général, a annoncé un budget de 35 millions de gouttes pour fête là, en général. OK. Donc, ça veut dire que la situation, ça nous ou anomalie, irrégularité, c'est ou bien nous avons un cas de triple facturation, ou bien nous avons un cas tout de scinder et marcher pour pas gagner appel d'offres, et tous les deux, ils sont punis par la loi. Nous arrivons, nous voyons que la compagnie SAIO, qui est Asian Food, Caribbean Product, Express Transport, nous voyons faire des travaux de construction dans le sud. Bon, Asian Food, pour faire des travaux de construction, ça paraît anormal. Mm-hmm. Caribbean Product, qui fait des travaux de construction, ça paraît anormal. Express Transport, même bagaille. Mais pourtant, l'État baille 34 572 500 gouttes. Ça veut dire même entreprise ça, eux, on a agriculture et puis on a construction également. Exactement. Je ne sais pas si on a un modèle là, ou un modèle Agritrans là. Mm-hmm. Agritrans, c'est un fermier et puis il a fait Woodboy, petit bout de boy. Okay. Donc, c'est le même modèle là qui est répliqué là. Des entreprises qui sont supposées dans l'agriculture ou bien bailler des services dans le domaine de l'État, mais pourtant, ils sont dans la construction. Et dans la construction, il y a trois compagnies qui reçoivent trois chèques de même montant. Ils reçoivent, et alors chèque ça, ils reçoivent le 10 mars 2017. Quand il y a, si on allait dans la question, on a dit achat de semences. Donc, l'État qui a acheté plein de patates, plan yam, plan banane, l'État baille justement 15 180 000 gourdes à Caribbean Product, pour ça, et il baille même quoi là à Express Transport pour acheter plan banane. Et chèque ça, il est sorti le 10 mars 2017, sous la bien, même là que le chèque construction est sorti. Mm-hmm. Nous continuons pour nous arriver dans la question équipement. L'État et lui-même, il a un kit alimentaire, il a été bail à des mondes. C'est le 26 septembre 2017. Eh bien, nous voyons que lui fait des chèques sortis de 7 500 000 gouttes pour tous les trois compagnies. Haitian Product, Caribbean Product et Fiche Goodman. Haitian Food. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que chèques sont toujours sortis même là pour trois compagnies affiliées à eux. Dans les plus loin tout, on l'a. On l'autre question de campagne d'hiver. Campagne d'hiver, là, pour mon capitaine de nous, c'est le ministère de l'Agriculture lancé et campagne pour planter pois et en décembre. Mm-hmm. Eh bien, dans la campagne d'hiver, ça, yo, nous avons 4 chèques de 31 204 250 gouttes qui sont sortis. Ils sont sortis le 13 septembre 2018. Alors, c'est pour campagne d'hiver qui a lancé en décembre. Mm-hmm. Mais 4 chèques, ça, yo, yo sorti pour Haitian Food, Caribbean Product, Fish Equipment et Express Transport. Tous les 4 chèques. C'est-à-dire que l'État fait 4 chèques à 4 compagnies affiliées pour campagne d'hiver. Mais moi-même, qui tendait à parler de campagne d'hiver, là, puisque en général, c'est agriculture, mm-hmm. le plus souvent, il y a besoin de 50 à 60 millions de gouttes pour campagne là. Mais là, nous déjà, au moins dans 125 millions de gouttes. Donc ça veut dire que 4 chèques ça, yo, est-ce que c'est on quadruple facturation ou bien est-ce que son marché est scindé pour chaque compagnie qui a comparti? Dans les deux cas, il est punissable par la loi. Mm-hmm. Sénateur La Tortue, vous parlez là de 4 firmes, 4 entreprises, Asian Food, Caribbean Product and Service, Fish Equipment, Express Transport. Est-ce que tous les 4 compagnies, ça, yo, c'est pour un ministre nommé Fritz William Michel, les propriétaires ou bien copropriétaires? Ok. Mm-hmm. Les propriétaires Caribbean Product and Services, mm-hmm. et Pigoua. Mm-hmm. Les gagnants, M. Woody Torchon, qui comptable dans Caribbean Product, qui signe sous Asian Food. Oui, Asian Food. Ligue Madame Linkina et quoi que c'est Fish Equipment. Mm-hmm. Et nous retrouver des noms qui sont Express Transport qui sont Caribbean Product. Okay. Donc, il y a lié. Donc, c'est des c'est des compagnies qui sont affiliées. Mais une compagnie, nous ne pas parler de lui. Lire les Agrisol. Justement. Lui-même, il y a des transactions qui sont faites avec l'État sous Agrisol, par exemple, acheter cabrit, patate, plan patate. Mm-hmm. Mais il y a M. Chavan Jean-Baptiste qui était écrit, qui dit que compagnie ça, c'est compagnie parle. Oui, parce que vous parlez de Agrisol, Agrisol S1.
Ah oui, alors c'est Agrisol et Samouen dans ça à tout. Okay. Et puis, alors, compagnie ça, M. Chavan, j'ai baptisé, ou même, je parle en affaire à l'État. Okay. Ouais, il y a une agriculture solidaire. Donc, sous question ça, j'ai beaucoup avancé parce que je ne sais pas comment que l'État a accepté ben, même non à des compagnies et je pense que là, il y a vraiment un gros problème. Ouais, en fait, ça, quand même, nous plus loin dans la question. Donc, en fin de compte, sous question d'où facturation, e-facturation, quadruple facturation, il y a un pile problème. Sous question surfacturation, dans cabrit, dans poule, dans matelas, il y a un pile problème. Et moi, je pense que, il permet que, quand même, M. Michel, qui est dans l'État et qui a fait transaction, encore une fois, c'est conflit d'intérêts, c'est des lignes initiées. Et moi, je pense que, il y a un pile problème là-dedans et tout. Donc, il faut que problème ça soit posé, parce que dans l'État, l'entendre que il y a un problème pour ranger un porte l'école, pour payer professeurs, payer policiers, il y a des transactions de 1 milliard de gouttes qui fait comme ça, moi je crois que il n'est pas bon. Nous avons une situation que la population ça, il prend la rue à n'importe quel moment, et le il prend la rue, c'est parce que son violence qu'il fait, qui fait que lui-même, en général, lui prend la rue, parce que minimum de services que l'État a dû valer, comme l'a gaspillé. Et moi, je pense que le dossier, ça, l'a traité en deux temps. Dans un premier temps, le sénateur Larèche a une obligation pour que matin, eh bien, il vérifie les déclarations patrimoine et la question de taxes. Il faut regarder livret taxes pour le ministre là. Et nous-mêmes, nous voulons approfondir dans la question de double facturation, trifacturation, quadruple facturation, qui doit mener à ce que si l'État a un compte que le bail, que le pas de bail, que vous mettez l'État comme là. Est-ce que le dossier, ça, sénateur Latortu, l'IPA, Avin, donc, mettez comme si, question, monde qui est dans l'État, qui s'est fonctionné et puis qui gagne, firme qui a fait avec l'État, est-ce que c'est dossier, ça, c'est pas une opportunité, donc, pour remettre véritablement en question et a fait ça? Oui, moi pense ça. Moi pense ça. Et moi-même, moi dis que je félicite un collègue de la majorité qui était bon au Sénat, qui était bon dossier ça. Parce que ça va permettre que, premièrement, nous résoudre le problème. Hein? Nous garder est-ce que l'État, lui-même, tout comme l'État que en plus sûr, puis remettre. Mais deuxièmement, que nous renforcer le cadre légal. Là. Parce que je dis à et moi quoi mais renforcer cadre légal là c'est pas que pas bon loi déjà qui punit tout bail ça non mais c'est aller au-delà de conflit d'intérêts ou délit d'initié parce que l'État en général le ou garder si quatre compagnies fait dépenser 1 milliard de gouttes dans l'année, pas besoin qu'on des dépenses qui fait dans l'autre dans le ministère de la planification, dans le ministère des Affaires étrangères, dans le ministère et dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Donc je dis à moi penser que le nous parler eh bien, de changement de système là, eh bien, c'est ça yo qui pas marché, qui fait que ou gagne un petit groupe qui bénéficie de toute bagaille par rapport à un masse que l'État est trouvé au minimum de services. Donc, oui, sénateur, vous souhaitez évoquer plusieurs chèques là, donc vous baillez montant. Est-ce que vous avez une copie de chèque ça? Ah oui, dossier que moi j'ai, son dossier ou pas. Moi j'ai un numéro de chèque, faut dire premièrement, moi j'ai année, moi j'ai un numéro de chèque là, numéro de réquisition, pour qui ça l'État fait chèque là, qui compagne du bail chèque là, date que chèque là sorti, et en fin de compte, numéro de entrée dans la finance. Donc ça dit que. Ah ben justement, mais pour qui ça me pose aux questions, c'est parce que Premier ministre Fritz William Michel il déclaré depuis au capable montrer et copier chèque yo, donc lui-même il n'y a pas un problème la promettre démission carrément. Okay, non, pour jouer une copie chèque, écoutez, j'ai vérifié ce document aux finances, pour jouer une copie, yo, et plus il y a quelques copies, hein, déjà, que on cherche que le Premier ministre l'a signé, on cherche que M. Torchon signé, eh bien, moi, je pense que l'autre chèque, il va facilement jouer dans la finance. Et puisque le dossier que nous gagnons, que, eh bien, finance avalisé, c'est que son dossier qui sortit la Kaili, et normalement, et à partir de ce moment, ou il doit juste balil pour qu'il lui remette tout chèque là. Mm-hmm. Il pour le banou chèque. Sénateur Latortu, ou attendons certainement, il y a monde qui pral dit dossier ça ou mettez dehors, donc c'est politique, parce que pour qui ça, ou fait partie de l'opposition. Donc c'est dans le cadre de l'opposition, certainement, ou pral dit ou mettez dossier ça dans la rue.
Et M. Figaro, dans tout pays démocratique, et c'est l'opposition qui gagne, commission finance, commission anticorruption, c'est l'opposition en général qui est au bailleur, parce que l'opposition, c'est lui qui a fait travail de contrôle. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a une opposition qui a fait travail de contrôle. Au contraire, c'est la norme dans certains pays. Mm-hmm. Deuxièmement, moi, je n'ai pas gagné à aucun moment pour un jeune garçon pour que moi-même, moi, t'es arrivé à inventer des bagailles. Au contraire, moi, parler de ça que je connais, que des informations que je n'ai pas eues, puisque je n'ai pas gagné des documents même. Puisque y a pas d'informations, il n'y a pas de documents. Tout ça que m'a parlé de vous, là, l'homme de M. Fritz Michel est président directeur général, eh bien, lui-même, moins gagné, eh bien, côté que l'ICIEN comme directeur général. Le moins dit que, sous question chèque et caribéen, pour donc, moins que chèque que lui-même, l'ICIEN, que il baille. L'homme dit M. Torchon, Lina Hichen Food, moins gagné chèque là. L'homme a parlé de dossier de quadrifacturation, moins gagné un document de finance qui baille numéro chèque, numéro réquisition. Moi, pas parler de l'autre bagaille que peut-être qui est beaucoup plus grave que Odim, le fait que je bague un document et que je cherche. Donc, moi, pense que, et toujours être chez Jouette, qu'on cherche pas la donne, nous gagnons ou gagnons un minimum d'éthique pour qu'un bel ou mène une enquête. Et moi-même, je ne suis pas à ma première enquête. Moi, je fais Petro-Caribé, qui mène dans le cours des comptes côté, il est validé. Moi, je fais Dermalogue, qui est validé par la société civile qui va le faire enquête partie de façon indépendante. Moi, je fais enquête Paratwell, côté que finance est gardée, côté que on cobre de 80 millions de gouttes de travail bas et que me demande de bloquer. Heureusement, il y a bloqué. Moi, je fais enquête Lampadaire, côté que il y a un cobre qui baille et mon yo pas qu'à mettre au monde un défi pour dire que le cobre pas baille, que l'ingénieur va qu'il y a un cobre. Qu'on dit qu'il faut qu'on fasse travail là, mais moi-même, dans l'enquête, je ne pourrais pas faire travail là. Donc, je dis à moi-même, peut-être sixième enquête, ouais. Mm-hmm. Et tout le monde connaît que le dossier que moi-même, moi, j'ai eu, c'est le dossier que je traite. Et moi-même, moi, par quoi que moi, j'ai eu, je ne vais pas parler d'ennemis politiques, moi, j'ai des adversaires, et que je ne suis pas d'accord à la politique publique. Yo. Mais sur le plan de compagnie, yo, de transactions que vous faites, moi, pas gagné pour m'entrer la donne si je pas gagné des données. Les données que je gagne, encore une fois, je te dis, je l'ai reçu d'un collègue de la majorité, parce que moi, pas gagné accès à toutes données, ça, yo. Parce que moi-même, moi, j'ai des documents que je demandais que je vais dire, moi. Mais, collègue, là, il gagne, il dit, bon, elle, il dit, inacceptable, il dit, bon, elle, et moi-même, moi, traite elle. Parce que je n'ai pas de cagette aussi à tout pour me cacher. Mais là, ça a tout, il t'a semblé que moi-même, bon, l'autre bagaille que je m'a traité. Donc, dans ce sens, ça, moi-même, m'a dit que les documents que je traité, c'est les documents que je vérifiais, OK, et dans le ministère, là, c'est les documents que moi-même, moi, recevoir et que moi, commencer à traiter et moi, transmettre à l'autre collègue pour que lui-même les garde. Et ces documents que nous avons approfondis. Qu'on y a, si l'État a sorti, oui, pour que lui cachait des documents que peut-être déjà moi-même moi des références là, moi je pensais que l'État, eh bien, à partir de ce moment, la population va rendre compte que eh bien, c'était que l'État qui ne pas quoi ça. Parce que le monde dans l'État qui se sert, qui est honnête, qui a fait travail, yo, et par intermédiaire, yo, et de bagaille inaccepté, yo filé des documents à des mondes et des mondes qui baillent, et qui mettent nous sur des pistes, qui jeudi a fait débat dans la société, et à permettre que nous-mêmes, nous gardions dans l'état de penser comme lui. Qui prend la prochaine étape dans le dossier ça? Dossier ça, il y a deux suivis. Grand partie que ce sénateur Larèche a fait avec la question du patrimoine, et de la fiscalité. Et en deuxième partie, c'est la commission éthique anticorruption qui a fait sur la question de la corruption. Mais nous, on a pris beaucoup plus de temps. Le sénateur Larèche, comme il y a un dossier déjà dans le mail, et comme cette question est à l'ordre du jour, donc moi, je pense qu'il pourra demander des documents pour voir est-ce que ça a eu, compagnie ça a eu, il a été déclaré dans la question patrimoine et dans la question fiscale. De notre côté, moi-même, l'enquête la beaucoup plus longue, puisque l'hypoal était sur les faits de corruption que nous-mêmes gagnons pour nous garder chaque transaction, est-ce que conforme ou non conforme à la loi. En fond, quitter le dossier Cabrit là, c'est une cadille comme ça, pour nous parler d'activité au niveau du Sénat République là. Et suivant l'information, vous avez dit, nous supposons qu'il y a une rencontre jeudi entre sénateurs opposition avec le président Grand Colin.
Bon, il était supposé qu'on information, même que l'échec était supposé qu'on rencontre, mais rencontre comme quoi t'as pour retarder du fait que j'en ai orienté hier par rapport à déplacement. Mais de toute façon, moi, j'étais par la présidente en matin, et moi, j'ai dit que tel que nous arrivons, et nous parions pour nous faire rencontre là. Parce qu'il y a des points très clairs que nous t'arrêtons, mais poser la question rencontre là, par rapport à situation pays, hein, par rapport à ça qui déroule dans le Sénat, nous t'arrêtons très clair. Et sou yo, et me pensais que moi pas gain droit moi-même dire pour le moment puisque écoute moi pas autorisé, mais moi pensais dans la discussion ça peut-être après nous ca pas en point de presse pour nous parler de points que nous soulevons parce que jodi a Sénat était comme encore qui traversé par moi te ca dit par des problèmes qui assez par de grands événements, mais cependant l'irrité et Sénat, et que nous pensions à tout moment nos cas un comportement qui mettait nous à la hauteur, et c'est ça nous voulait. Et le que bah pas fonctionné bien des deux côtés, en fin de compte c'est grand corps là qui subit, et pourtant population besoin on Sénat qui a fond et fort et qui a respecté la loi, qui a pas arrivé dans des rivières et des rivières qu'on a dit que de deux côtés, que ce soit du côté de majorité ou du côté de l'opposition. Mais nous voulons que mon corps qui fonctionnel, ou du moins qui a essayé de prendre certaines décisions. Et c'est dans ce sens-là que je pense que nous avons des réunions pour que nous mettions les points sur les i. Il y a une possibilité pour gagner une séance dans le Sénat dans le jour ça? Non, nous pas gagner information sur ça parce que dès que nous t'es sorti dans la séance là, nous t'es demandé réunion qui va être faite vendredi et c'est pour une rencontre formelle. Non, je pense que nous pour gagner aucune information par rapport à la séance dans la séance.